mari et moi, on travaille en Haïti depuis 1996, donc ça fait 23 ans qu'on est ici. On a une église, on a une école dont la plupart des étudiants sont parrainés par Child Care Plus, et on a aussi un programme de nutrition. Par les temps qui courent, à cause de la quarantaine, c'est difficile de continuer à fonctionner, mais Dieu ouvre quand même des portes et on peut appeler les familles, puis on leur offre de venir chercher du riz avec de l'huile à cuisson et à notre portail. Donc on peut continuer. La semaine passée, on a pu délivrer des provisions alimentaires à un orphelinat qui n'est pas trop loin d'ici. En Haïti, c'est difficile de respecter la distanciation sociale parce que les gens doivent survivre. Donc, survivre, la plus beaucoup vendent dans les marchés et on ne peut pas vraiment garder une distance de 1 ou de 2 mètres dans les marchés. Donc, les marchés sont ouverts 3 jours par semaine pour permettre quand même le fonctionnement. On pense qu'après cette pandémie, on va voir quelque chose de bon. On pense qu'il va y avoir un grand réveil. Et on veut vous remercier de nous permettre d'être ici pour aider les Haïtiens. On veut vous remercier aussi pour vos prières et nos prières sont avec vous aussi.